Personne ne doit se mettre en travers ta mission. Parce que la vie, c'est un game. Okay? La vie, c'est un game. Si tu dois sacrifier la dame pour pouvoir gagner la partie, il faut faire ce qu'il y a à faire. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, tu connais, hein. Mets un petit j'aime. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne sport te permettre de pouvoir devenir libre. Voilà, créer ta vue sur mesure, hein, comme tu l'entends. Voilà. Et pour ça il va falloir un peu d'oseille, ça c'est sûr et certain. Donc il y a deux choses que je te propose, c'est mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 ans en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Voilà. Il n'y a pas rien de spécial, hein. C'est juste, c'est gratuit, c'est offert. Donc tu vas, tu regardes, tu jettes un coup d'œil. Hein. Moi je dis ça parce qu'il y a toujours des gens qui sont là, mais est-ce que je dois le faire? C'est peut-être une arnaque. Comprends pas. Comprends pas. Et deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing, d'accord, où je te montre toutes les stratégies pour pouvoir atteindre les 5K au minimum par mois, ok. C'est des stratégies que moi-même j'utilise, c'est des stratégies que mes coachés ont utilisées, certains sont déjà indépendants financièrement aujourd'hui. Donc voilà les gars, il n'y a pas de secret, il faut juste avoir le bon plan, les bonnes stratégies, et après il faut charbonner, c'est pas magique les gars, c'est pas un bouton magique que je vous donne, il faut charbonner. Ok, ça prend du temps et il faut charbonner. Ok, mais au moins là tu as un concentré d'informations qui te permet bien, qui a été expérimenté par moi et par d'autres, ok, qui te montrent étape par étape comment pouvoir faire de l'oseille. En ligne tout simplement, ok, et en plus l'avantage c'est que la formation est 100% financée. Donc si jamais tu veux en savoir plus, tu es libre de pouvoir cliquer dans le lien qui est dans la description, tu mets ton nom, ton numéro de téléphone et un membre de mon équipe va te rappeler et va faire le dossier avec toi du CPF, etc. Si tu as des questions et tu pourras et puis passer à l'action après. Après on donnera les accès à Pirate Marketing et après on va charbonner. Il n'y a pas de secret et pas d'excuses, les gars, j'ai grandi en février dans le 91, j'ai redoublé mon BEP électrotechnique. Hein, j'ai rejoint le quartier des pyramides, ça fait plus de 3 ans que je voyage aujourd'hui, je suis libre, ça s'est pas fait tout seul, j'ai charbonné, j'ai persisté et surtout j'ai une paire de coronets. Voilà. Je sais que beaucoup vont trouver des excuses et ne veulent pas passer à l'action, chacun ses problèmes. Et passons directement au sujet de la vidéo. Ma femme ne veut pas que je fasse de business, alors c'est quand même une question qui m'a été posée, c'est quand même un sujet qui revient souvent. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais c'est une situation qui arrive souvent. Moi, j'ai vu ça à un de mes potes qui voulait se lancer. Et c'était la période où moi aussi, j'avais découvert que c'était possible de gagner de sa vie autrement que par le salariat, tu vois. Et du coup, j'en avais parlé à tous mes potes, tu vois. Et je sais qu'il y a un de mes potes, bah, sa femme, genre, elle était pas d'accord, quoi. Elle a dit, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dans une secte, tu veux changer, mais qu'est-ce que tu nous veux, quoi, hein, tu vois. Et donc, du coup, bah, je pense avec la pression, il a tout simplement abandonné ses rêves, quoi. Il a juste tout simplement arrêté, tu vois. J'ai le souvenir aussi d'un de mes coachés qui avait eu aussi ce problème-là. Il voulait se lancer, il voulait faire du business. Malgré quand je l'avais accompagné, il avait commencé déjà à générer du cash. Sa femme, elle validait toujours pas, quoi. Elle validait toujours pas, c'était incroyable, tu vois. Elle validait toujours pas. Pourtant, il faisait rentrer du cash, la meuf, non, toujours pas. Elle validait pas. Ok, donc forcément après ça crée des problèmes et il y a beaucoup de gens du coup qui se séparent quand tu vois les gens qui découvrent, ok, il y a une autre façon de, genre le développement personnel, tu vois, il y a une autre façon de faire sa vie, pas forcément métro, boulot, dodo, genre faire des études, attendre la retraite, non, il y a une autre vie, il y a une possibilité d'être libre en fait. Ben, quand l'un des deux, et là c'est homme-femme, hein, quand l'un des deux rencontre cette nouvelle façon de penser, tu vois, il vaut mieux avoir des croyances qui te permettent d'avoir une meilleure vie. Si tes croyances que tu as aujourd'hui ne te donnent pas la vie que tu veux, c'est peut-être qu'il faut changer tes croyances. Tu vois, mais le problème, c'est que la plupart des gens ne sont pas assez humbles pour pouvoir se remettre en question et remettre en question ce qu'on leur a appris ou ce que son entourage leur a dit. Tu vois. Bref, bah, du coup, la plupart des gens, ils se séparent. Bref, en tout cas, mon avis du coup par rapport à ça, parce qu'on m'a posé la question, qu'est-ce que je dois faire? Ma femme ne veut pas que je fasse de business, qu'est-ce que je dois faire? Ok, donc ça, c'est mon opinion, les gars, c'est mon avis. Après, prenez réflexion de ce que je vais dire. Tu peux aussi donner ton avis en commentaire. C'est libre, c'est fait pour ça à partir du moment où tu restes respectueux. Ok, si jamais tu manques de respect, on dégage ton commentaire allègrement. La première chose que moi je te dirais, c'est que personne ne doit se mettre en travers de tes rêves. Ok, quand tu veux créer ton business, c'est pour pouvoir faire de l'oseille, on est d'accord, mais l'objectif, c'est pas faire de l'oseille, l'objectif, c'est de devenir libre. Ok, on veut être libre de pouvoir manger où est-ce qu'on veut, manger bio si on veut manger bio, voyager là-bas si on veut aller là-bas, vivre là-bas si on veut aller vivre là-bas. Enfin, c'est ça qu'on recherche, c'est la liberté. Et puis après, pour d'autres, peut-être avoir des projets qui demandent de l'argent, etc. Ok, donc l'idée, c'est ça en fait, c'est de pouvoir en fait
être libre et pouvoir accomplir ses rêves. À partir de ce moment-là, et en plus en tant qu'homme, personne ne doit se mettre en travers de ton chemin, en fait. Personne ne doit se mettre en travers de ton chemin. Quand je dis personne, c'est personne. Je ne sais pas pourquoi ça, c'est facile à comprendre lorsque si je te dis si tes potes ne doivent pas se mettre en travers tes rêves, ta famille ne doit pas se mettre en travers tes rêves, mais dès qu'on parle de ta femme, t'es perdu. Bah non, mais c'est pareil, en fait. Elle n'a pas un passe-droit, en fait. En fait, personne ne doit se mettre en travers de tes rêves. Ok, là, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo. Rester célibataire, travailler sur vous. En tant qu'homme, il faut que tu travailles sur toi, il faut que tu accomplisses des choses. Donc, si jamais on t'empêche d'accomplir des choses, qu'est-ce que tu fais? Ça me rappelle Will Smith qui avait dit que lui, en premier, c'est sa carrière. Et après, c'est Jada. Alors, imagine, d'ailleurs, il a dit ça, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Finalement, non, mais je pense quand même, tu vois. S'il l'a écrit, c'est qu'il le pense, en tout cas. Quoique, à un moment donné, il a dit, j'ai réfléchi à arrêter ma carrière pour elle. Mais bon, bref. On va pas revenir sur Will Smith, mais moi honnêtement, j'ai du mal vraiment à comprendre ça. J'ai jamais compris comment ça se fait que vous laissez quelqu'un, tu laisses quelqu'un t'empêcher d'accomplir tes rêves. Et après tu vas lui prendre la tête parce qu'elle t'a empêché d'accomplir tes rêves. Et puis après, quand elle va se barrer dans 10 ans, tu vas dire putain, merde, j'ai rien fait, j'ai pas accompli mes rêves pour pouvoir lui faire plaisir. Et finalement, elle est partie. Vous êtes plus ensemble. Normalement, tu devrais déjà être sur le chemin de l'accomplissement. Ok, donc imaginons que t'es déjà, ok, vous êtes déjà ensemble, c'est maintenant que tu découvres le truc, maintenant tu veux t'accomplir, ok, tu veux plus être un gars moyen, tu veux faire des choses dans ta life. Ta femme, en fait, doit compléter ta vie. Toi, t'as une mission, t'as une vision, ok, tu vas chasser l'excellence et ta femme complète ta vie. Mais elle n'est pas le focus. À partir du moment où tu laisses ta femme te briser tes rêves et te dire, bah, c'est non, je veux pas que tu fasses ça, parce que c'est pas bien, parce que c'est une secte, parce que je sais pas pour quelle raison. À partir du moment qu'elle te dit ça, ben, en fait, elle te ralentit, en fait. Donc, t'es en compagnie d'une personne qui est là pour, qui te ralentit dans ta vie, en fait. Alors qu'elle devrait être censée, justement, te faciliter la vie, en fait. Elle devrait te faciliter la vie pour que vous puissiez construire un empire, tu vois. Elle devrait adhérer à ta vision, à ta mission. Donc, moi, mon opinion, genre, par rapport à qu'est-ce que je dois faire? Laisse-la être pauvre avec quelqu'un d'autre, alors. Là, on va dire les termes. Laisse-la être pauvre avec quelqu'un d'autre. Si elle ne veut pas devenir riche, elle ne veut pas faire de l'oseille, laisse-la être pauvre avec quelqu'un d'autre. Donc, évidemment, ce que je te dis, c'est une gilarité. Va pas genre direct, ah ben, Jonathan, il a dit ça sur la vidéo, c'est bon, je divorce. Non, c'est... Calmatez, les gars. Discutez, voyez comment vous vous arrangez. Voilà, agis comme un leader, en fait. Parce que là, c'est pas normal que genre c'est ta femme qui te dise ce que tu dois faire ou ce que tu peux pas faire. C'est pas ta mère, enfin, tu vois. En plus, quand tu vas faire de l'oseille, elle va pouvoir en profiter aussi. Donc après, à toi d'échanger, discuter, asseyez-vous dans une table et discuter, partagez ta vision, etc. Pourquoi tu veux faire ça? Et après, si jamais elle te dit, bah non, tu fais pas, bah déjà, il y a un problème. Enfin, déjà dans le couple, il faut qu'il y ait un leader. Le leader, en général, c'est l'homme. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. De toute façon, biologiquement, c'est ce qu'elle veut. C'est la base de l'hypergamie. La femme veut quelqu'un qui elle veut un leader, elle veut un gars plus fort, qui fait plus d'argent, qui a un statut social plus élevé, constamment, ok? C'est l'hypergamie. Donc à partir du moment où tu n'es pas capable de pouvoir l'idée et de dire à ta femme, bah non, en fait, on ira dans cette direction-là, il faut que tu me suives, bah il y a un problème, tu vois. Au contraire, elle devrait s'investir avec toi dans le business, t'aider pour que tu puisses aller encore plus vite et faire encore plus d'oseille pour que toute la famille en profite. Elles aiment bien dire partenaire, partenaire. Si jamais elle n'est pas à tes côtés pour pouvoir t'aider à tout déchirer, bah pourquoi, en fait? À quoi ça sert, en fait? Parce qu'après, quand tu vas arrêter de chasser l'excellence, elle va se barrer dans 5 ans pour un gars qui lui aura chassé l'excellence. Parce que le problème, c'est que les gars, ils se disent, ouais, vas-y, je suis gentil, je veux lui faire plaisir, ok, elle veut pas que je fasse du business, bon, bah je fais pas, etc., etc. Le problème, c'est qu'elle, après, au bout d'un moment, bah, vu que tu chasses plus l'excellence, il y a de grandes chances qu'elle perde l'attraction pour toi, qu'après tu galères, qu'elle n'ait pas envie forcément de faire du sexe avec toi, etc. Je parle d'une manière générale, c'est peut-être pas pour tout le monde, tu vois, il y a des exceptions. Mais d'une manière générale, la femme, elle est excitée par des personnes qui travaillent sur eux, qui évoluent, parce qu'elle a besoin d'admirer son gars. Et pour admirer quelqu'un, il faut que la personne, elle fasse quelque chose. Si t'es juste là, t'as un taf 9 à 5 et tu rentres chez toi, t'es là, elle va perdre l'attraction. C'est pour ça qu'il y a autant de divorces. C'est comme un gars, il avait donné un exemple via les échecs. Il disait qu'il faut être capable de sacrifier sa dame pour pouvoir gagner la partie. S'il le faut, tu sacrifies la dame. Donc en gros, ça veut dire que personne ne doit se mettre en travers ta mission. Parce que la vie, c'est un game. Okay? La vie, c'est un game. Si tu dois sacrifier la dame pour pouvoir gagner la partie, faut faire ce qu'il y a à faire. Je veux engrainer personne. Ayez une conversation. Si jamais elle t'aime vraiment, elle voudra le meilleur pour toi. Et si elle veut le meilleur pour toi, ça ne la dérangera pas que tu lances ton business et que tu accomplisses tes rêves.
Ça n'a pas de sens. Sinon, elle te prend pour un enfant ou elle pense que tu n'es pas capable. Enfin, il y a un truc qui ne va pas en tout cas. Donc, dans tous les cas, tu ne perdras pas grand-chose. Mais comme tous les hommes, ils ont ce mindset de scarcity, genre, ah, c'est chaud, ou l'âme sœur, ah ouais, je ne vais pas en retrouver d'autres, il n'y a que elle, etc. Ben voilà, ben ils gâchent leur vie, et ils accomplissent rien de leur vie. Jusqu'au jour où elle va le tromper avec Chad et après qu'elle va se barrer. Donc moi, j'ai jamais autorisé personne à me ralentir en fait. Jamais autorisé quelqu'un à me mettre en travers mon chemin et voilà, même si c'était la personne avec qui j'étais. Tu vois, d'ailleurs, personne ne s'est jamais plaint. Enfin, si t'es un leader et que la femme te fait confiance et qu'elle sait que tu vas tout déchirer dans la life, au contraire, elle va t'aider, elle va t'encourager. C'est censé normalement être comme ça, les gars. Je suis désolé, mais normalement, elle devrait être censée t'encourager dans tes projets et te motiver et t'aider, tu vois. Après, si elle n'a pas confiance en toi, est-ce que tu as fait des conneries avant? Et même si, tu vois, elle devrait quand même vouloir te... C'est quand même ta femme, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même ta meuf, c'est quand même ta femme. Enfin, si elle ne croit pas en toi pour pouvoir accomplir des choses, il y a un problème. Et pour moi, si jamais elle ne croit pas que tu es capable d'accomplir des choses, c'est que du coup, au fur et à mesure, elle va perdre le respect pour toi. Au fur et à mesure qu'elle n'a pas de respect pour toi, au fur et à mesure, eh ben genre, elle va commencer à te parler mal, elle va commencer à vouloir te mettre hop de gifle, là, vas-y, va ranger tes chaussettes. Elle va commencer à te parler mal, pas de considération, etc. Du coup, elle va perdre l'attraction au lit avec toi. En fait, c'est la débandade. Rien n'est à vous dire, ouais, non, mais moi, exceptionnel. Les exceptions, les gars, c'est super en commentaire. Mais là, on parle de généralité. Et surtout, ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire que c'est elle le leader. Alors qu'une femme veut toujours que ce soit son homme lui, qui le lead. Après, vous te dire, ouais, mais il faut que je tombe sur le bon homme. Ça veut dire que toi, t'es pas le bon homme. Et si c'est elle qui lead, ça aura forcément des conséquences négatives sur votre couple. Après, évidemment, je parle d'une manière générale. Si tu te sens concerné, à toi de te remettre en question. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, juste en écoutant ta femme, la manière dont elle va parler de toi, je saurai qui tu es. Je saurai si jamais tu veux, parce que pour utiliser les mots alpha, bêta, je saurai si jamais tu es un alpha ou un bêta. Ça veut dire, pour moi, je n'utilise même pas ces mots-là, je saurai si jamais tu es un vrai homme ou pas. Si tu es un leader, si tu es un gars qui chasse l'excellence, si jamais tu es un gars qui veut accomplir des choses. Une femme qui a du respect pour son homme, mais quand elle parle de son homme, pour elle, son homme, c'est un héros. C'est elle l'admire, il y a des paillettes dans ses yeux quand elle parle de lui. Quand elle commence à parler, bah, ouais, non, mais. Pff, non, mais. Gérard, non, mais tombé de toute façon. Pff, oh, Gérard, oh là là, il me saoule. Il me saoule, Gérard. Ouais. On sait déjà. Tu vois. Et d'ailleurs, petit conseil au passage pour les businessmen, là, ne vous associez jamais avec un gars qui a un SIP avec sa femme. Parce que de toute façon, c'est sa femme. En fait, c'est comme si tu faisais un partenaire avec sa femme, en fait. Parce que lui, de toute façon, il va rien décider. Et un SIP, pour les gens qui ne savent pas, c'est quoi? C'est en fait les gars qui deviennent bêtes. Qui deviennent bêtes pour la beauté ou pour le sexe, pour avoir du sexe avec une femme. Okay, donc ils font n'importe quoi, ils n'ont plus de respect pour eux-mêmes. Enfin, voilà, fais des galipettes. Ok. Tu vois, enfin. Donc bref, en conclusion, c'est mon opinion. Jusqu'à maintenant, je ne comprends pas pourquoi les gars demandent l'avis à leur femme pour pouvoir se lancer en business. Tu peux demander l'opinion, mais que ce soit elle qui te dise si tu fais ou si tu ne fais pas. Non. Jusqu'à maintenant, moi, je comprends pas le principe, en fait. Ta femme, c'est pas... Elle a déjà un business? À moins que ta femme ait déjà un business. Elle a déjà un business qui tourne déjà, tu lui demandes conseil, ouais. Ça, il n'y a pas de souci. Mais si jamais ta femme, c'est juste ta femme, à quel moment? Pourquoi, en fait? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu ne l'as pas aimé. Si jamais tu vas aller plus loin avec moi, tu as tout en description. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Je suis avec ton camp. We'll be right back.